Donc bienvenue chez vous avec Nicolas Perrac, un photographe, auteur, compositeur, interprète, passionné de cinéma, entre 5000 et 7000. 7000, ouais. Ce film chez toi, globe-trotteur, écrivain, romancier. Il fait partie du carré d'or des personnes que je souhaitais interviewer. Ça, c'est... Non mais c'est jamais exprès, c'est totalement un hasard. Comment on le vit sans savoir, quoi. On ne sait pas. On ne se rend pas compte, on est dans le service de médecine générale à la petite Salpêtrière et le lendemain matin, tu es aussi dans le studio d'RTL ou d'Europe 1 parce que tu as fait son For Away From LA, donc tu le vis sans savoir parce que tu ne sais pas à qui il faut parler, tu ne sais pas qui est important, tu ne sais pas à qui il faut dire bonjour, tu ne sais rien, t'as pas les, quand tu fais ce métier, on ne te donne pas le mode d'emploi. Quoi, tu vois, donc tu es totalement... t'apprends au fur et à mesure. C'est un truc où tu apprends petit à petit. Donc, le premier, c'est la Bible. Mmh. Et le deuxième, c'est Entre l'ombre et la lumière. Voilà. C'est de là. Non, j'ai dû en vendre à quelques personnes. Et puis, tout le reste, on les a donné à la famille. Quoi. C'est vraiment, c'était le moment où Pat et Marconi voulaient absolument rendre le contrat parce qu'ils considéraient que c'était pas intéressant de me garder. Et puis... Et puis il y a eu un visionnaire qui est arrivé qui s'appelait Philippe Constantin. Et Philippe Constantin dirigeait les éditions Pathé Marconi. Et c'est lui qui est responsable du succès de Téléphone, de Gérard Manset, de d'Igelin, etc. Donc il a écouté ce que je faisais. Et puis il m'a mis dans les pattes d'un mec génial qui s'appelle Claude Dejac, qui est un directeur artistique, un vrai directeur artistique, qui s'est occupé de Boris Vian, de Juliette Gréco, de Legrand, de plein de gens. Et puis est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire que Dejac a persuadé Constantin qu'il fallait faire un album, que j'étais pas un mec à 45 tours, que j'étais un mec à album, et sur le premier album, qu'on a terminé avec des bouts de ficelle, parce que j'ai rajouté des chansons à la fin, dont « D'où venez-vous », qui est le titre du disque, on l'a fait vraiment à l'arrache, on a rajouté deux chansons, et cet album qui était fait vraiment comme ça, avec des bouts de ficelle, et ben dessus il y avait « So Far Away From LA ». Ils ont écouté So Far Away, ils ont dit ça marchera jamais, je sens pas le personnage. Donc on peut pas plus se gourer que là, quoi. C'est une espèce de... Bon, ils ont vite changé d'avis, hein, je pense. Mais au départ, c'est vrai que j'ai été... Quand le disque est sorti le 10 mars 1975, il a fallu que j'aille gueuler jusque chez le président de Pathé Marconi en leur disant si vous signez des gens pour pas vous en occuper, ça sert à quoi? Donc, l'information est vite redescendue. C'est-à-dire que je suis allé vraiment voir François Minchin, qui était le président, et c'est redescendu. Et comme par hasard, je ne sais plus, une semaine ou deux après, je suis rentré dans la playlist d'Europe 1. En fait, j'ai existé au départ grâce à Claude Brunet, qui était le programmateur d'Europe 1, qui a commencé à passer So Far Away From LA, et après les autres ont enchaîné. Quoi. Mm-hmm.